Mais du coup, il faudrait qu'il chante Love Keeper, cette chorale. Vu que c'est le titre de l'édition, carrément. Ils le chanteront peut-être. Ah oui. Ah, on sait pas. Mais non. Love Keeper. Mais je me rends compte que ce qui fait passer une chanson, c'est la voix, c'est l'émotion. Donc quand on en rajoute 2, 3, 4, jusqu'à 500, et je ne sais pas combien, évidemment, c'est une émotion qui... Je pense pas qu'un des instruments puisse faire passer ça, c'est autre chose. Que par exemple nos deux voix ensemble créent quelque chose qui n'existe pas quand quand on chante tout seul. Il y a une vibration qui fait que tout à coup ça devient une voix. Donc là l'idée de je sais pas combien de centaines de voix qui en deviennent une, mais des voix quand même, chacun arrive avec son vécu. Son corps, son organisme, tout ça. Donc il y a un truc qui est un peu mystique quand même là-dedans. Il y a parmi nous quand même Camélia qui est en plus une interprète incroyable. Ah bah oui. C'est vraiment une virtuose de la voix, moi, je trouve. Voilà, après Marc et nous, je pense que c'est plus... on est des faiseurs de chansons et puis il se trouve qu'on les chante. Love and keep.